Bon, sur ce, on est al. J'ai rien lancé, donc ça se trouve je suis pas bien placé au niveau de ma cam. D'ailleurs, les, ouais, on va régler ça juste après. Aventurier. Ok. Bon, je vais mettre en mode normal. Ah, attends. La carte du monde pour... Bon, je vais mettre en mode normal. Viking Berserker. Je mets de base, je mets par base. Défi culte de description. Ouh. Ah, par contre, je suis un maître assassin. Je suis un maître assassin. Donc voilà. Ah, on est parti. Merci Benji. Silence. Enfant des dieux, venez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Tout était noir. Tout était vide. Il n'y avait ni ça. Qui va être le boss d'Angleterre, c'est moi. Ni mer. Ni terre, ni ciel, ni herbe. Merci Gaëtan. Air. Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Et de ce hurlement surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Oh, Ymir, je le jouais dans Smite. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os, et de son sang, et de sa cervelle, naquit le monde. Le monde où nous marchons et guerroyons. Les gars, je vais être le boss d'Angleterre. Hein. Je vous préviens direct. Te voilà. Voilà, alors, par contre, j'ai... Alors, attendez, je vais juste vérifier. Je vais mettre à gauche, du coup, je vais mettre les... Donc à gauche. Tac. Deux secondes, hein, je règle. Parce que du coup, vu que j'ai pas lancé le jeu, je savais pas exactement où mettre la caméra. Ça se trouve, il y aura la carte et du coup, je vais me déplacer. On verra après. Il y a 0 FPS. Ouais, je vais. Attendez. On va régler ça. C'est normal. Ça, c'est parce que je live en même temps. 5 FPS. Let's go, les gars. Vous inquiétez pas. On va régler. On va régler. 2 secondes, les amis. Je fais les règles, c'est normal, j'ai pas lancé le jeu pour pas me spoil s'il y avait une cinématique au début. Mais j'étais en alt-tab. Ah mais oui, c'est parce que j'étais en alt-tab quand il n'y a plus de FPS. Attendez, on va retenter parce qu'en fait quand j'ai alt-tab pour changer le truc, donc c'est normal qu'il n'y avait pas de FPS. Attendez, dites-moi s'il y a des FPS quand je marche là. Parce que si je suis comme ça, c'est normal que vous ne voyez pas de FPS, vu que je suis en alt-tab. Ah c'est bon, ok parfait. Du coup, merci à la belle barbe de Xari hein, pour le T2. Bon, alors le seul problème, c'est qu'en gros, il y a des règles, hein, puisque j'ai le jeu en avance, mais j'ai pas le droit de sortir de cette salle. Donc, on va bien observer un petit peu tous les éléments, puis après, on fera un débrief. Donc là, il y a une bougie. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ouais, ici, il y a une autre bougie. Je vais voir si je me rapproche, est-ce que ça fait quelque chose, non? Ouais, ok. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live, mais non, qu'est-ce que je suis drôle. Allez, on se casse. Voilà.
Salut, mon pote. Oh, c'est gagné par Plinskin Iroquois. Merci à toi pour le... Ça rame, là? Ok, je vais descendre un peu les graphismes. Ah, c'est les subs qui font lag. C'est les roulettes. Par contre, le son est pas du tout mixé comme il faut là. Tu le regarderas et tu diras. On n'entend rien des voix, on n'entend que le son derrière. Puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu peux faire ça pour moi. Ce soir, tu seras la corde qui ouvre notre peuple. Dès qu'il y a une alerte, ça lag ou vous êtes. Est-ce que vous êtes sûr là-dessus ou pas? Ok. Alors. Deux secondes, déjà je vais juste faire un truc. Je vais juste faire un... La musique est un cauchemar en fait. C'est trop bizarre ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais on va enlever les alertes. J'enlève ça. Peut-être qu'il n'y a pas gêne, hein. On peut mettre les voix plus fort. Bah, je peux pas mettre les voix plus fort en fait. Dans les options, il n'y a pas la voix. Boost des dialogues. Ah bah oui, bah vas-y. Trop bien le jeu ou pas? Ok, ça lag de fou là encore? Bon. Écoutez. On va. Non, bah, il y a des mecs qui disent que ça lag. Donc, si ça lag pour des gens, c'est que. Putain, casse les couilles. Trop laid. Bah, le premier qui troll, ce sera un permaban. Hein. D'ailleurs, le mec a dit que ça lagait là. Hop. Pas déconner. Mais pourquoi? Ah, mais putain. Normalement, c'est pas censé laguer hein, en vrai. Hein. C'est bon, je danse, c'est bon, c'est magnifique. Allez, on se. Ah, je peux danser à plusieurs endroits de la map. Parce qu'il fout ce con. En fait, j'ai des drops. Trop bizarre. J'ai des drops dans Streamlabs. Ça n'a pas de sens. Mais bon. Ouais, ça drogue. Ça. Écoutez. C'est toi qui choisis la danse. Non, je choisis rien. Bon, je suis désolé. Hein, j'aurais pu checker ça avant. Mais je voulais pas lancer le jeu au cas où il y avait un truc avant. C'est clean. Je pense que c'est clean. Hein. Bon, vous me dites, de toute façon. Par contre, c'est vraiment mal mixé au niveau des volumes, quoi. On entend pas les... On entend trop le... Les sons ambiants et pas les dialogues. Tu n'as rien à voir. Viens, je vais te trouver je ça. Je ne peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau. Ça doit valoir au moins deux robustes. Qu'est-ce que c'est que cette chasse? Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. C'est les boosts des dialogues, mais peut-être que ça a bugué. Je pense que c'est le boost des dialogues qui a bugué. T'avais le mec qui faisait Saitre de Valka, fais parler mon marteau. Jouer. On joue à quoi? Il fait quoi ce con? Fait quoi le roi des bouffes là? Bon, ok.
joue tout seul en fait. Je peux rien faire, c'est scripté. Alors, tu as le brassard ? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille, sur la voie du Nord. Mère ? Oui ? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier ? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Let's go. Merci Dawaman. Au 12e mois, je referai les roulettes après, les gars, parce que du Allez, coup, ça. Va. Tu as un cadeau à offrir. Oui, va, parce qu'on se fait chier là. Eva, attends. Il y a un problème avec les dialogues, c'est pas possible. Mon roi. Genre, à part le gamin là, le héros, on n'entend personne. Et par l'amour. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Al des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. Qu'est-ce qu'il raconte, le con ? L'hydromel et mille merveilles. Un meneur sans disparaît. Les braves. Mal tape pour la que je le tape pas. Oh non! Le clan de Kyodve! Bat-toi, Eivor! Ton heure viendra! On dirait qu'il dit bat-toi. Après, je crois que j'ai téléchargé les langues en anglais pour voir, je mettrai peut-être en anglais après. Baston. Malédiction. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. Moi j'en ai rien à foutre. Cache-toi. Viens, Eivor. Au galop. Vite. Oh non. Mais qu'est-ce que tu fais, le bouffe ? Mais bien sûr. Bien sûr. Le cheval. Ah, c'est la fin.
tour de t'offrir un marché, Katanaska. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bats-toi, mon amour! Ne l'écoute pas! On dirait Dogby, un peu. Non, non, on doit dire. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as Rick. Ma parole. Non, Varin! Non, Varin! Prends-tâche! Non, si, si. Oh non! Tuez les choses! Oh non, ils ont pas respecté leurs paroles! Oh les méchants, je vais devoir être le boss d'Angleterre! Ils avaient donné leurs paroles! Aucun honneur, aucune dignité! Bon, on est pas allé loin. Hein. Bah, et là, tu vas me dire qu'il est encore conscient? Il avait dit no fake. Il avait dit par tort. Oh, le cheval est encore vivant, mais bien sûr. Ah. Ok, bah fin du rêve. Genre là, il se fait pas déchirer le bras là ? Ah bah il est mort là. Bon bah fin du jeu les gars. Fin du jeu, merci à tous. Non mais attends, s'il a survécu là ? Non non non. Non mais attends, il s'est fait bouffer le bras et il s'est fait bouffer le cou. Ah bah quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois deux filles de qui se chevauchent dans le même ADN. Je sais pas pourquoi. Animus bug, ouais, je vois. Sors-moi de là. Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux contourner le problème. Pour être stable, tu vas devoir choisir un flux. Il y a une troisième possibilité. Je peux laisser l'animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Choisir soit Daver féminine. Bah, je prends un mec, je suis un mec, moi. Section du fil de mémoire. Moi, je suis un mec, je prends un mec. Hein. Je vois pas pourquoi je prendrais une meuf. Parfait, je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Laisse décider ? Non, non, non. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups ? 17 hivers ? 18 ? Suis-je partout dans tes rêves ? À t'échauffer les reins. Oh, le méchant est encore là. Tu te souviens de ça ? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras seul. Tu es tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Et tu es méchant. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Au navire. Ah.
au moindre geste. Je t'arrache les yeux, tu entends ? Oh non, les méchants. J'aime pas ça, les méchants, moi. Le vent souffle du sud. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire, toi ? Bah, le crack. Ah, les graphismes sont pas en moyen là. Après les visages et Ubisoft, ça a jamais été leur fort. Hein. Pas de festin pour toi, Sinin. L'équipage est en danger. À toi d'être mes yeux. Dites-moi si ça lag toujours. Joue. L'équipage est en danger. Non, j'observais un peu. J'observais un petit peu avant. Ça va mieux. Ça va mieux. Hop, il a mangé 3 champignons, full vie. On est qui par rapport à l'enfant ? Bah on est l'enfant 18 ans plus tard quoi. Le bruit de la neige est pas mal. Je suis devant la vie. Ouais je suis devant la vie c'est vrai. Après c'est pas très grave parce que vu que je vais prendre aucun coup au final ma vie on s'en fout un peu. Il faut aller où là ? Non mais en fait je suis con c'est un Assassin's Creed, je vais monter. Ah ouais bah ouais. Suis-je bête ? Regardez-moi ça. Trop fort. 3 d'XP. J'utilise l'aigle. Ouais, je crois pas que je puisse utiliser l'aigle pour l'instant. Focaliser, c'est quoi ça, focaliser ? Ah, faut que j'aille là-haut. Ok. Ramasse pas les animaux que t'as tués. Alors il faut savoir que vu que j'ai pas joué aux Assassin's Creed récents, je sais pas. Enfin, tout le délire d'XP et tout, moi c'est. Je suis out. Bon, il est fort l'ami des loups quand même. Hein. Ça je connais par contre. Merci Mozika. À Valsnes, c'est là que ce briseur de cerveau. Quoi ? Tient mon équipage. Oh putain, j'ai cru que j'allais. Oh. J'ai cru que j'allais tomber sur la. J'ai cru que j'avais raté. Attendez, y a pas normalement un saut de l'ange un peu à la stylée ou... J'ai vraiment cru que j'allais m'exploser la tête contre le truc. Attendez. Puissance.
fait un peu froid, mais je suis pas encore un assassin. C'est vrai que je suis encore une petite merde, je suis encore le boss d'Angleterre. Mais bientôt, les gars. Bon alors, on trace. C'est un des hommes de Kiev. T'as l'air de pouvoir mourir de froid. J'ai pas vu. Merci Antosaurès pour les subs. Merci pour les subs. Hein. Oula. C'est quoi ça? Il y avait un truc vision d'Odin ou je sais pas quoi. Bon, pas grave. Ah voilà. Montre-moi ces terres, mon ami. Oh le Korbak. Ouais. Il y a R hein. Enfin, il y a des trucs là-bas quoi, mais c'est loin. Là-bas. Alors, richesse, mystère, artefact. Ça, je sais pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, il y a genre 3 artefacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mystère. Ok. C'est pas exactement ce qu'il faut que je fasse avec mon corbe là. Zone de localisation. Pourquoi il y a un marqueur là? Ça veut dire quoi le marqueur? C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui me repèrent? Merci Charto. Juste pour voir les points d'intérêt, ok. Mais c'est bon, j'ai compris quoi. Là je suis quand même à l'autre bout de la map pour l'instant donc... Faudrait que j'avance avec mon mec. L'accès à cet endroit est interdit. Comment ça interdit? En même temps... Oh merde! On peut le buter là? Je suis même prêt. Ouais. Il a une énorme bite invisible. Il est comme ça le man. Il pisse comme ça. Ah, je suis pas encore un assassin, du coup ça dégoûte. Mort. Ah, je suis pas un assassin, mais il faut pas être un assassin pour pousser un mec quand même. Hein. Faut pas déconner quoi. Mais bon, bref. Ça, c'est vraiment la pire tente que j'ai jamais vue, tu sais. Bon alors. Oh, des flèches, nice. Des flèches de prédateurs, des flèches... Ouah, il y a trois types de flèches déjà, alors attendez. Si je fais tab... Non, j'ai pas l'inventaire. Si je fais i... Ah. Alors j'avoue, moi, je suis vraiment tout nouveau. Enfin, tout nouveau. Vu que j'ai joué à aucun Assassin's Creed avec... avec inventaire, entre guillemets. Enfin, avec... avec XP, etc, etc. Je suis un peu perdu, mais tranquille. Donc là, j'ai récupéré des flèches. Comment... Pourquoi j'ai pas les flèches? Elles sont où? Lien d'honneur, ok, génial. Alors, compétences, qu'est-ce que j'ai pour l'instant? J'ai rien du tout. Oh, choix de la voix. À distance. Discrétion. Oh, moi, je prendrais ça, moi. Frappe dans le dos, ça, c'est moi, ça. Hop. Piétinement. Il y a plein de... Il y a pas mal de trucs. Et après, il y a des trucs qu'on voit pas, mais normal, du coup. Ok. Bon, pour l'instant, je récupère des flèches. Je sais pas comment je change de flèche, mais... Esquive. Ok. Et tété. Je sais pas s'il y a des trucs à récupérer, je vais aller. Parce que là j'ai récupéré pareil, j'ai récupéré des fleurs, des machins comme ça, mais je sais pas où ça va dans l'inventaire. Monter là.
Ça me semble un peu tendu, mais... Ok. Je peux pas aller dedans, la maison ? C'est fermé ? Mais il est con, quoi. Mais... Oh, le bouffe ! Mais t'es sérieux, il fait exprès de le rater, ou ? C'est une blague, ou quoi ? Mais... Quand même... C'est... Genre, what the... C'est le pire truc. Alors, ordre de Kvyot. Kvyotv. Prépare l'enfant de Varin. Varin, je sais pas comment ça se prononce, pour le marchand d'esclaves. Je peux te servir des autres pour ton sacrifice de sang. Ok. Minerai de fer, cuir. Ok, je suis un roi, le roi. Ah, c'est dans le sac que j'ai les flèches et tout, ok. Alors, flèche de chasseur. Conséquent. Ok. Flèche de prédateur. Ok. Donc tout ça, je suppose, ça me permettra de faire des armes plus tard ou des trucs comme ça. Bon bref, allez, on va tracer à l'objectif parce qu'au bout d'un moment... Bien joli la neige, mais... Les guerriers de Kyotve, il ne faut pas qu'ils me voient. Oh merde. Une fois que Kyotve possédera ses terres, nous vivrons comme des yards. Pas tant que survivra le clan du Grand Corbeau, ils se battent comme des berserkers. Eivor, l'ami des loups, a tué une vingtaine d'entre nous avant d'être mêlés. Bah alors ? Oui, c'était bien moi. Non mais qu'est-ce qu'il fait ? Je voulais juste... non, chut. Je voulais juste récupérer ma petite flèche qui est dans ton... Je vais pas récupérer la flèche qui est dans ton crâne ? Bon, tant pis. Mode difficile. Non mais là, je suis dans les fourrés, ils me voient pas, c'est normal les gars. Je suis un crack. Ah, je les récupère en fait exprès, ok, ok. J'ai même pas vu. Ah, tu récupères de base dès que tu passes. Pour plus tard. Bon, il y a l'entrée là. Oh. Du fer qui résonne. On se bat près d'ici. J'avais rien entendu, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ici, il marche juste à côté. Vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi? Kyotve a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Valsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Dommage. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur, il y a plusieurs difficultés, ouais. Tu irais les sauver tout seul pour que l'on chante tes exploits. Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. Ok, merci mec. Oh là, mes settings sont pas en l'eau. Hein. C'est juste que... Bah, le jeu, dans les dialogues, il est pas très beau, quoi. Alors, j'ai un bouclier, ok, j'en ai rien à faire. Hop. Donc, bouclier comme arme secondaire. Main principale, ok, tac 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 tac. Main secondaire. Arme à deux mains, oui ça paraît logique. Un quart. Un arc, pardon, un quart. Trois types d'arc. Ok, donc moi j'ai qu'un arc pour l'instant. Respecte les alentours, Sénine. Attends. Ah oui, si j'appuie une fois, ça fait ça. Et si j'appuie longtemps, ça fait la vision.
Enfin, c'est l'inverse, mais vous avez compris. Donc. On peut marquer les gens, là? T'as marqué le mec, là, ou... Si je fais ça, maintenant... Ah oui, j'étais marqueur, ok. Guerrier de Kyotve grouille à Avalsnes autant que des poux. Si je passe par la grand porte, je risque d'attirer l'attention. Bon, prudence avant tout. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ah, je sais, je viens d'y aller. Je comprends pas pourquoi ça fait. Je sais pas si ça marque un marque, ça fait un marqueur ou pas. Ils sont à l'intérieur, de toute façon, faut pas non plus être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça, non? Non mais monte, monte, t'inquiète. Tu vois, genre, il y a trois qui sont marqués, il y en a un qui est pas marqué. Attends, mais si je fais ça... non, si je fais ça... Guide-moi, Sénin. Ah, c'est bon. Est-ce que si je le bute lui, ses potes, il le voit? Lui, il devrait le voir, lui. Quoique, maintenant... La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Il va se retourner, il va le voir là. Je peux pas le tirer comme, comme dans Hitman. Oh mais frère. Il y a moins discret, tu pleures. Hein. Oh là là, le lingot de carbone! Comment je fais du coup? Parce que c'est marqué, mais j'ai pas eu le temps de lire. Non, je pense pas qu'il fasse. Après, ça sert à rien de débarricader, non? Du bon char. J'ai pas compris comment on débarricadait du coup, mais bon. Pas grave, bon, de toute façon y'a plus rien ici. Devrait y avoir une ouverture dans le toit. Ça semble logique, ouais. Vraiment trop con. Je vois aucune ouverture là. Honte. J'avoue, il y a forcément une cheminée. Comment ils font du feu sinon? Ah, mais c'est ce toit-là qui, dont il parle. Est-ce que ça, c'est un point de vision ou zéro? Pas d'ouverture, je suis une merde, mais... Attends. T'es dessus? C'est pas une ouverture, ça. Ah oui, si, d'accord, ok, je suis con. Si tu gigotes trop, ma hache va ripper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche.
Oh, je peux pas assassiner là. Écoute. Y'a qu'un mec. Oh, y'a qu'un bouffon. Bah, il va mourir. Espèce de lâche, libère-moi et donne-moi une hache. Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ton clan ne fiente de corbeau, merci Clank. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Mais pourquoi il parle? Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice... Il est malade. Genre il gueule, on dirait une poissonnière. Juste prends ton arc et mets-lui une flèche, frère. Je vais te vendre à Hel en personne. Trop bizarre d'esquiver avec Alt. Agenouille-toi, ami des loups, et je t'épargnerai. Mais ferme-la et bats-toi. Attends. Ouais, Alt, ok. Crève, sac de fiente. Par les dieux, crève. Ok, je suis en train de checker un peu les trucs. Alors, endurance, une esquive ou une attaque manquée consomme d'endurance. Si vous êtes à court d'endurance, vous pouvez plus esquiver, bloquer, mes couilles. Ok. Ah putain, j'ai trop du mal à esquiver avec Alt, c'est tellement pas. C'est tellement bizarre. Il est pas mort là? Il prend quand même des gros coups de hache dans sa mère. Je peux parer. Il rate tous ses coups le con. Ah ouais mais par contre ouais non. Pareil ça me coûte de l'endurance, c'est un peu de la merde. Enfin c'est de la merde. Hop. Appuyez sur H pour consommer une ration de santé. Ok. Il va absolument que je pars en fait. Oh putain mais moins de shot en fait. Est-ce que je peux mettre des gros coups de... Oula. Moi j'aime bien mettre des coups de... Trop de slow motion. Ah je voulais tester un peu les trucs. Père, tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non. Ah mais Varin, c'est mon daron. Tuez les tous. On peut pas l'exécuter vu qu'il était seul là, peut-être. Peut-être en vrai. Il était en mode... Slow motion, c'est ça dans tous les combats? Non, je pense pas, parce que ça c'était une sorte de combat de boss, je pense. Trop con, je croyais que c'était une cinématique. Comment je fais avec la manette? Non, je déteste jouer à la manette à ce genre de jeu. Eivor! Par contre, je suis censé libérer mes hommes, mais il y a qu'un seul mec là. Eivor! On t'a ensorcelé! Libère-nous! Quoi? Ah, oh. Oui, bien sûr. J'ai bien envie de te mettre une énorme flèche dans ta mère quand même. Bien joué, mec.
Le jeu était trop fort pour moi, je peux rien faire. Libère-nous, y'a qu'un mec. Ils sont où tous tes potes, frère? Là, on va... Alors, arme récupérée, ok. Ah. Ok, c'est exactement la même chose. Oh. Ah oui, je peux la transformer en meuf n'importe quand? Attends. Juste pour voir. Let's go. Elle fait plus mal ou pas? 46, ça y est. Ouais. Ah, je préfère... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je préfère la version mec, hein. Ah, il est plus badass quand même. Après, je joue jamais les meufs dans les jeux vidéo. Si je veux m'identifier un minimum au personnage. Ah, mais c'est eux qui parlent en fait, les rois des bouffes. Bon combat, ami des loups. Même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire deux fois. Bougez les bouffons, non? On est genre 8 là. Oh oh. Tu vas crever. Non, je crois pas non. On entre avec deux armes, hein. Maintenez A. Attends. Ah, je... Oh, j'ai compris. Ah, il faut que je verrouille les cibles, sinon c'est... Ah, ça consomme masse... masse endurance, hein. Ok. What, il a volé. Oh. Une petite flèche dans ta gueule, toi. Oh, oh, tu bouges pas. Attends. Par contre, ça, ça m'énerve. Genre, là, tu vois, si je fais rien, mes potes, ils arrivent pas à les buter. Genre, il faut que ce soit moi qui termine les trucs. Genre, ils sont nazes, mes potes. Quoi, mais... Oh, mais ça va, je suis en train de... Ah mais oh, laissez-moi. Mais quoi? Ok, c'est bon. Ça va. Vous servez à rien, mais... Mes hommes, vous servez à rien. Quelle difficulté. Ah, j'ai pris deux coups, j'étais mid-life, mais... Après, c'est le début du jeu, que ce soit... Enfin, c'est normal que ce soit facile, quoi. J'ai mis en normal, hein, je suis pas en difficile. Fromage moisi, miam. Bon. Allez, au navire, les bouffes. Oh non. Attendez, je vais quand même me soigner. Hop. Ils font rien. Ils sont gentils. J'ai plus de flèches. Merde. Oh, j'ai plus de flèches. Oh, je suis la reine des salopes. Attends, ils me donnent pas de flèches, hein. Merde, je pouvais faire une attaque spéciale. Raté. Ah,
c'est bon. La puissance que j'ai par rapport à mes potes. Bon. Mais ça va. Mais là par contre c'est trop bizarre. Alors si j'ai... Je passe en premier. Ok d'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre que c'était mon pote. J'étais en mode vraiment que je touche pas, c'est n'importe quoi, mais c'est mon pote, ok. Aucun souci les gars. Là, J'avais pas compris que c'était mon pote, pour moi... Après c'est ça aussi, pour moi Assassin's Creed t'es seul. T'as pas d'amis, c'est genre c'est toi l'assassin et c'est tout, tu fais toutes tes missions en solo. Non mais pote ou pas pote... Attends lui c'est pas un pote. Ah si c'est mon pote de tout à l'heure. Il était habillé différemment c'est pour ça. Ah. Voilà. Par mon clan. Ouais, mais moi j'aime pas les clans, moi. J'aime bien être seul, comme Altaïr. Allez, je prends le commandement. Bon, bah, let's go. Hissez la toile. Oh, ça trace, gros. Appuyez sur E pour faire quoi? J'ai pas vu. Regagner Fornberg. Tu as quelque chose à dire à propos de ce désastre ? Nous n'avons eu aucune perte au combat, et ceux qui nous ont humiliés sont morts. Qui aurait-il à dire ? Ah, quelque chose comme... Il y a un moteur. J'ai été idiot, égoïste, inconscient, embêté, la voile. Et je pue le sang et le fumier. Je préfère ma version. Oh, mais qu'est-ce que vous branlez, les cons ? On ne peut pas hisser la voile. Mais c'est pas du tout là qu'il faut aller. Plus de toiles ! Ils sont rincés ou quoi? Ah, rejoindre votre marqueur sur la carte. Attends, parce que je veux bien. Moi, je veux bien savoir. Mais non, mais je suis. Abaissez la voile! Comment on affiche la carte? Je veux bien afficher la carte, mais je sais pas comment on fait. Mais non, ça fait pas la carte. Ah, c'est virgule. Il faut que j'aille où? Fornberg. Ah, c'est là. Ne plus suivre, suivre. Là, c'est bon. Là, c'est là. C'est là, c'est à 3000 mètres. Ok, frérot. Mais attends, je peux aller pour naviguer plus vite. Demandez un champ. Attends, mais ça va être un enfer là. Je vais mettre une année à y aller là. Bah, déjà, si je vais pas du bon sens, c'est sûr que je vais mettre une année. On tourne. Il y a un moteur? Non, il y a pas de moteur. Juste trop fort quoi. Ok, faut tracer là. Pinsky Roko, il faut que tu... Tu vas me payer un modo, je sais pas s'il y a un modo là. T'as gagné quoi, 10 balles sur Wina, je crois. Oula, y'a des méchants. Oh, moi je trace hein. À quoi ressemble le champ? Bah je sais pas, j'ai demandé un champ mais ils l'ont pas fait. Je vérifie que je vais bien au bon endroit là. Ouais, c'est ça. Et après, faut que je tourne à gauche. Enfin, bâbord. Bâbord, évidemment. Appuie sur entrée, comment ça? Rien entrée. Appuie sur E. Ça fait rien non plus. Appuie sur insert. Ah, insert! La map en haut, ouais, non mais je sais que c'est... Enfin c'est la map, c'est... Je sais ce que c'est, mais... Les repères, c'est bien d'avoir la map, quoi.
Papa, papa, papa. Bon, par contre, merde. Quoi ça? Une richesse? Si je vais aller, voir. Regardez, Ivor. Quelqu'un installe un avant-poste sur cette île. Des hommes de Kyotve. Ils grappillent toutes les terres inoccupées comme des poulets piquant le sol. Okay. Même avec toi un pied dans la tombe, nous pourrions les battre. Eh ben, on va les battre. À l'attaque, les bouffes. Non, combat. Mais... Qu'est-ce qu'il fait? Bouge pas. Ah, il a pris un peu des dégâts. Un petit peu quand même. S-I-N-I-P-E-R, c'est moi. Bon allez, on les détruit. Oh bah ça va frère. Chaque fois leur tête elle saute, c'est comme des bouchons de champ. Comment ça s'est fait retourner mon avis? On a rien pillé du tout là. Ah voilà. Mordeuse d'os. Oh là là. Oh, c'est parti ça. Pardon. Donc, mordeuse d'os. Ah, c'est à deux mains. Oh bah, je préfère. Oh là 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 là. Oh oui. Pardon. À deux mains. Là, ça régale. Oh, mais il y a encore des mecs qui se battent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est un gentil, ça. Oh, il prend des grosses flèches dans sa mère. Laissez ce serpent dans le doute. Je cours trop vite. Ok, nice. En gros, c'est terminé pour toi. Oh, merde. Ah, mais. Il est trop rapide. Y'a un mec qui m'envoie des. Qui me tire dessus, j'ai l'impression. De la hauteur. Pourquoi ils ont dit que c'était terminé alors que c'était zéro terminé? Qui me tire dessus là avec son arc là? Je suis abasourdi. Jambes de bois. Ok, bon. Je prends le commandement, les amis. Quelques attaques lourdes. Non, je faisais des attaques légères. J'ai testé les deux. C'est juste que c'est lent quoi la double hache. Bon allez, on se casse. Hissez la voile. Pourquoi je peux pas demander un chant? Faites chanter les bouffes. Kyotve nous traquera maintenant, de manière encore plus impitoyable qu'avant. Ce n'est pas une grande surprise. Cette guerre dure depuis 3 générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. Ta haine envers cet homme te consume tellement. Par contre, j'avoue, l'eau est bien foutue. Tu ne préfères pas des braies en peau de phoque? Méfie-toi, Ivor. Ce genre de haine peut pousser à l'erreur. Ce qu'il a fait à ton père, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Commence pas non plus à... Commence pas à me parler, gros. Pas dire que le jeu est rincé, qu'il l'a eu en avant-première. Hein. Bah, j'ai le droit de dire que le jeu est rincé, gros. Puisque, frère, j'ai joué littéralement, j'ai joué 30 minutes. Comment veux-tu que j'ai un jugement sur un jeu auquel j'ai joué 30 minutes? Par contre, je suis où là? Ah oui, mais je suis con. Ok. Le roi
Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ses souhaits. Je m'y attends, oui. J'en ai foutre. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète ? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? S'il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Par contre, il y a trop de prénoms là. J'ai déjà du mal à me retenir le mien, alors Sigurd, machin, truc bidule, varin, bite couille poil, trop. Et que dire au roi au sujet de cette mésaventure ? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kjotve, tué ses hommes et affaibli son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave ? Un bien joli passage pour ta saga. Et un Skald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand chose après. Ce qui s'appelle Beat, c'est vrai. C'est bon, on a réussi à retrouver notre contrée. On s'arrête ici. Let's go. Salut mon meilleur pote. Eh bien, celui qui nourrit les corbeaux est de retour. Et pas à moitié mort. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon, cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Renvi. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien. Même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Ah, Sigurd est mort. Il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kjotve. Et j'ai trouvé la hache de mon père parmi les morts. Ah, après toutes ces années... Tu devrais l'apporter à Gunnar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du Nord. Je peux attendre. Belle stratégie de faire des nattes. Comme ça, les cheveux sont un peu moins dégueux. Tu sembles préoccupé. Merci, Vanity. Quelque chose ne va pas ? Retrouver la hache de mon père 17 ans après. Cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrance passée. Ça a donné quoi ? Tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Broqué, là. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Le tatouage, je te tiendrai au courant. Ouais, Gunnar. La morsure du loup, ouais, je la vois pas, moi, la morsure du loup. Oh, 2 points de compétence. Let's go. Alors. Donc, tac. Dépenser des points de compétence en eux. Les compétences principales débloquées. Coup au mouvement de combat. Ok. Les nœuds. Ta puissance est élevée. Ok. Discrétion. Corps à corps. Distance. Moi, je vais être distance. Je vais être distance et discret. Au max. Voix du corbeau. Parti. Attends, mais pourquoi j'ai encore 2 points, là ? Attends, je comprends pas tout, là. J'ai pas tout compris, là. J'ai fait 3 trucs, ça m'a coûté qu'un point. Ah, y'a un con ou... J'avais 4 points. Ah, j'en avais 2 plus 2, ok. Attends, et ça c'est quoi ? Discrétion. Assassinat avancé. Ah bah voilà, moi c'est ça que je veux. On va aller chercher l'assassinat avancé.
On va aller chercher cet assassinat. Nous on veut être un assassin, nous on est pas là pour on joue Assassin's Creed là, on joue pas God of War. Alors. Hey bon, ça a été dur on dirait. Content de te revoir. Bah merci mec, ouais. Gunnar le forgeron. Eivor, tu nous as rapporté des trésors ? J'ai rapporté le navire et l'équipage au complet. C'est mieux que de l'argent. Commence pas. Ça ne compte pas, ça. Il te faut de l'argent et des bijoux. Tais-toi, Rolf. Qu'est-ce que tu en sais ? Allez, ta gueule. Alors, Gunnar. Hey, viens t'asseoir et jouer. Oh oui! L'horlogue. Oh. On trouve des joueurs dans chaque ville et chaque port. Assieds-toi. Les dés ne se lancent pas tout seuls. On va jouer, les gars. D'accord, jouons. Bah oui, jouons. D'accord, jouons. Je joue bien. Tu sais maintenant à quoi t'attendre. Alors, c'est quoi le jeu? L'horlogue est un jeu où deux personnes s'affrontent sans aider invoquant des vapeurs divines. Le premier joueur, attendez, ça commence en phase de lancer là, tac 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 tac. Pile ou face? Face. C'est face, je suis le boss. Phase de lancer. Ok. Oi oi oi, inflige un dégât. Vol. Rapporte. Ok. Sectionner les dégâts gardés. Je vais faire full dégâts. Garde ça aussi. Bon, je vais le baiser. Sélectionner les gars. Non. Relance encore. Ah, il récupère des faveurs divines, le chien. Ok, c'est bon. Phase de resolution. Ok. Il me vole deux trucs. Aïe aïe aïe. J'ai pas de faveur, il a full faveur. C'est le Yams des Vikings, ouais, ça a l'air d'être un peu comme ça. Oh, il a full faveur. Attends, il m'a fait des dégâts, mais moi je vais récupérer des faveurs divines, moi. Ah non, il y avait une faveur ici. Oh, j'ai pas vu. Oh, le con. Et comment j'utilise les faveurs? Ah, lors de cette phase, vous pouvez choisir une faveur divine. Ok. Sélectionnez une faveur divine à utiliser. Inflige 5 dégâts à l'ennemi. C'était pas ouf en vrai. 5 dégâts. Il me mange ma mère là. Ok. Incompris, t'inquiète. En fait, je m'en fous des faveurs. Juste lui inflige des énormes dégâts dans sa mère. Mais ce n'est pas possible. Ici, c'est possible. Mais gros, il a full. Il contre-full. Oh la chatte. Vas-y, ça me dégoûte. Putain, au final, on a fait 1-1 quoi. Sauf que lui, il a masse faveur divine, il va one-shot. Oh, il a une chatte, gros, c'est hallucinant.
fais full dégâts, moi. Pour l'instant, il est pas bien. Ok. Donc là, je lui fais 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, je lui fais 5 dégâts, donc je le tue. Est-ce qu'il va chatter? Et voilà, j'ai gagné. Allez, bouffon. Ciao. Bon voilà, bah c'est facile. Ah, que la victoire est douce. Que la victoire est douce. Ah, tu as eu de la chance, c'est tout. Une autre partie? Non, ça va aller. J'ai assez joué comme ça. J'ai un jeu à faire quand même. Par contre, si je gagne quelque chose ou... Ah, y'a rien à gagner. Ok, bah let's go. Abasourdi. Tove, tu délaisses l'aiguille pour la flèche. Hey Ivor, tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc? J'en serais ravi. Et non! Rien à foutre! Où est-ce que tu vas? Reviens! Ok, ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois comment je me tiens? Plante bien tes pieds dans le sol. Pas plus écartés que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant, imagine que la flèche le traverse de part en part. Expire, puis décoche. Non mais d'accord, frère, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, là? Ah, y a des mecs là, putain, j'avais pas vu. Merci, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Tu vois, tout est dans l'œil. Merci, Eivor. Bah vraiment, t'avais vraiment besoin de moi, t'as... Un beau tatouage. Quelque chose qui décorerait cette balafre. C'est gentil, mais je tiens à ce qu'elle soit visible. Oh, je ne cherchais pas à t'offenser. Quoi qu'il en soit, j'ai un tatouage pour toi. Ok, mais j'en ai rien à foutre. Tu m'as dérangé pour ça. Oh, mon cheval! Il a disparu. Oh, il est là. Oh, je suis un vrai cavalier. Bon, moi, je dois aller voir le forgeron de base. Hein. Je sais pas pourquoi il y a toutes ces merdes là. Il y a plein de... Pourquoi il y a plein de marques? Moi, je veux la marque de la quête principale. Je marche un peu dessus. La quête principale, elle est là, voilà. Merde, putain. Cette contrée ne pourra prospérer. Qui a envie d'entendre une histoire? Qui veut se réjouir d'un récit parlant des dieux? La guerre a toujours existé. Salut mon meilleur pote. Comment on fait pour sortir? Comment on sort de ce cheval? Je suis bloqué. Comment t'as fait pour monter? G. Non, pas du tout. Torche. Utiliser la corne. Appeler le navire. Méditer. Appeler monture. Cap. Oui, d'accord, génial, mais... Maintiens-le. Non.